Dis Seigneur merci. Le bankolo matondi. Merci pour ton amour manifesté en Jésus. Matondi pona bolingo na yo la kisina nzira na Yesu. Merci de m'avoir sélectionné parmi les vivants. Matondi pona kopandanga kati bato na bomoi. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Azamalam. Je bénis les protocoles, les chants. Na pamboli bayambi bayembi. Les techniciens. Bato bazali kuna na technique. La presse. Bato ya bilili. Et l'ensemble. Sans oublier aussi les hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons voir encore quelques mystères liés sur la traversée de l'année 2018. Bien aimé, aujourd'hui je serai trop prophétique. Alléluia. Amen. Tout le voisin, nous sommes molimo. Trop prophétique. Bisakoli na bisakoli. Ce qui au comprendre ngate na leki. Amen. Amen. Na lingi vraiment au comprendre makambo na prêcher lelo. Alléluia. Amen. Nazana nga juste un canal inutile nzamba zo le kanatonga lelo. Amen. C'est Dieu lui-même qui est l'orateur de ce matin. Yé moko nzambe ndi akotlisa biso na tonga. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la traversée de l'année 2018. Mais je voudrais d'abord commencer par le chemin détourné. La Bible dit que lorsque le Pharaon laissait partir les peuples de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé ici, nous nous rendons compte qu'il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est un chemin raccourci. Et l'autre, c'est un chemin détourné qui va prendre beaucoup de temps pour y arriver. Évidemment, nous avons tous des promesses ici. Que Dieu vous bénisse. Nous avons tous des promesses. Mais comment y arriver? Comment entrer dans nos promesses? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça la difficulté. Parfois, ta promesse est proche. Je ne sais même pas comment t'expliquer. Peut-être que tu es un frère ici ce matin. Dieu t'a déjà montré la femme de ta vie. Tu la connais avec certitude. Mais comment l'épouser? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Comment l'épouser? Avec quel moyen? Parfois c'est dur. C'est difficile à comprendre. Parce que le moment est devenu difficile pour avoir des moyens. Comment y arriver? Comment entrer dans ton héritage? On a déjà prophétisé sur toi. Dieu lui-même t'a donné des promesses. Parfois tu connais même tes promesses avec certitude. Mais comment y arriver? C'est ça le problème. La Bible dit que même les Israélites, lorsqu'ils étaient en Égypte dans l'esclavagisme, ils savaient qu'un jour Dieu devait les délivrer. Parce qu'ils avaient une promesse. Dieu leur disait que regardez de loin la terre que vous voyez là, loin. C'est une terre promise. Un jour vous allez y entrer. Alléluia. Amen. Mais comment arriver? Ou bien comment entrer dans la possession des promesses? C'était ça la difficulté. La Bible dit que ces gens-là ont pleuré pendant 400 ans. Plus de 400 ans. En train de demander la face de Dieu. Pourquoi ça a beaucoup traîné? Nous savons que c'est proche. Lorsque vous êtes en Égypte, vous regardez de loin. Vous verrez qu'il y a Canaan. Aujourd'hui Israël. Lélo Israël. Ils voyaient tout ça. Mais comment y arriver?
Et qui allait nous amener là-bas? C'est ça le problème. C'est ça la question que tu te poses. Évidemment, j'ai une promesse. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé pour mon problème. Il a pris beaucoup de temps. Je suis en train de pleurer à Dieu. Mais comment entrer dans ton héritage? Comment entrer en possession de ta promesse? Alléluia. Amen. C'est ça le problème, bien-aimé. C'est la question qu'on se pose jour et nuit. La Bible dit que lorsque Pharaon laissa partir des Israélites, ils sont partis. Mais le Seigneur a dit quelque chose. Il y a deux chemins. Le premier, il est raccourci. Je peux les amener et les faire entrer dans Canaan, là où coule le lait et le miel. Mais il y a un autre chemin. Il va prendre sûrement beaucoup de temps. C'est le chemin détourné. Le chemin du désert. Alors que faire avec mes enfants? La Bible dit que le Seigneur a jugé bon d'emprunter la voie détournée. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on part la même fois pour le roi de roi? Amen. Amen. Il a jugé bon d'emprunter le chemin détourné. Pendant que le chemin était là, il pouvait amener ses enfants. Mais il s'est dit ceci. Le chemin raccourci est là. Mais il y a un problème. Il y a des Philistins. Les Philistins, ce sont des ennemis éternels d'Israël. Sûrement, ils vont combattre mon peuple. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La nanga très bien de la zone expliquée. Pourtant, on a revolé aux Zouangal et Soustés. Alléluia. Amen. Il faut être attentif. Les Philistins, ce sont des ennemis éternels d'Israël. C'est parce qu'ils vont mener la guerre contre mon peuple. Mon peuple risque de mourir. Ça, c'est la première chose. Ou soit, il risque de rentrer en arrière. Regarde un peu ta vie. Le chemin que tu as emprunté, c'est le chemin détourné qui est le chemin de Dieu. Où tu as emprunté le chemin raccourci. Vous savez, Dieu n'emprunte jamais le chemin raccourci. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Dieu n'emprunte jamais le chemin raccourci. Voilà pourquoi les gens disent, Yanzambe Oumela. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait beaucoup de choses. Il nous voit même dans l'invisibilité. Il prend tout son temps. Parce que le temps dépend de lui. Dieu ne dépend pas du temps. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà, vous avez le chemin raccourci. Si vous amenez les enfants de Dieu, on risque de combattre. Alléluia. Amen. Mais c'était des gens qui ne connaissaient même pas l'art de la guerre. Ils n'étaient pas formés pour la guerre. Les amener dans les chemins raccourcis, ils risquent de connaître des désastres. Ils risquent de connaître des problèmes. Mais d'une manière générale, l'homme aime emprunter les chemins raccourcis. Voilà pourquoi les gens aiment consulter des féticheurs, entrer dans des loges pour obtenir les succès, la gloire, obtenir de l'argent, tout simplement parce que Dieu prend tout son temps pour bénir son peuple. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, la Bible dit ceci. Dieu a averti son peuple. Regardez là devant. Vous avez vos ennemis éternels qui risquent de vous combattre. C'est ce que moi je ne veux pas. Vous savez, le diable, c'est un manipulateur. Le diable peut te montrer les succès. C'est ce que les gens ont toujours dit. Et non, tout chemin mène à Rome. Alléluia. Tout chemin mène à Rome. Mais ici, ce n'est pas Rome, ici, c'est Canaan. Tous les deux chemins menaient où? À Canaan. Alléluia.
Mais un c'était un chemin raccourci. Et l'autre c'était un chemin détourné. Ce que le diable ne vous dira pas, ce que vous allez endurer devant vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est ce qu'il ne vous dira pas. Il peut tout vous promettre. Si vous venez chez moi, je vais vous donner le succès. Je vais vous donner de l'argent. Mais les conséquences que vous allez rencontrer, il ne vous dira jamais. Notre Dieu a averti son peuple. Moi je peux vous amener sur ce chemin raccourci. Mais faites attention bien aimé. Devant vous, vous avez les ennemis éternels qui risquent de vous combattre. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Au cas contraire, vous risquez encore de retourner en arrière. Voilà beaucoup de gens ont emprunté ces chemins-là raccourcis. Ils sont allés trop vite en élévation. Alléluia. Amen. Mais en désordre. Catastrophe. Soit vous êtes dans l'occultisme. Un jour on vous dit que vous avez déjà mangez notre argent. Il est temps aussi pour toi de venir nous servir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Soit vous allez mourir. Posez la question aux occultistes. Leur fin est toujours catastrophique. Catastrophique. C'est ce que le diable ne vous dira pas. Il va vous convoiter. Il va vous séduire. Si vous venez chez moi, je vais vous donner des véhicules. Je vais vous donner des maisons. Le succès. L'élévation. Mais ce qu'il ne vous dira pas, c'est votre fin. C'est la fin qui justifie les moyens. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette fois pour le radio? C'est la fin qui justifie les moyens. À quoi bon emprunter les chemins raccourcis, entrer dans la gloire, avoir beaucoup de moyens et demain le perdre? Parfois même perdre votre vie. Tout simplement parce que vous avez emprunté les chemins raccourcis. Moi je connais des gens, même surtout nos soeurs, ceux qui battent comme un mariage, fin du monde. Ceux qui posent que cela lui touche même à Rome. Alléluia. C'est bon. Mais la finalité c'est laquelle? Le problème c'est la finalité. Tu peux entrer aujourd'hui dans le mariage, mais quelle est la finalité? Tout simplement parce que tu as emprunté les chemins raccourcis. Tu risques de connaître des combats. Si ce n'est pas les combats, rentre en arrière en Égypte. Cela signifie le divorce. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Je pose la question à l'ensemble. Qu'est-ce que tu choisis? Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Emprunter les chemins raccourcis ou les chemins détournés? Nous savons tous que Dieu prend son temps pour bénir son peuple. Parce que personne ne peut sonder le voix de Dieu. Moins encore le pensée de Dieu. Pourquoi il a emprunté le chemin détourné? C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a beaucoup de mystères. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de Dieu qui a dit. Nous sommes ensemble. Amen. C'est ça Dieu. Il n'y aura pas de chagrin. Vous n'allez pas pleurer. Au moment où je suis en train de vous prêcher, il y a des gens qui sont tourmentés par des démons. Des gens qui sont dans l'occultisme. Il faut sacrifier quelqu'un de ta famille. Peut-être c'est un membre de ta famille. Il a même cité ton nom. Mais sans succès. On n'arrive même pas à mettre la main sur toi. Comment parce que tu es sans la protection. On ne sait même pas te voir. Lorsqu'on a invoqué ton nom, on a vu ton visage. Mais pendant qu'on voulait te percer, pendant qu'il nous pince, il lance. On ne te voit plus. On ne voit que les lions de la tribu. Alléluia. Amen. Hey!
y a quelqu'un de l'autre côté qui est en train de pleurer. Et tu lui as déjà donné un délai de 48 heures. Si tu ne nous amènes pas ce monsieur, si on ne nous voit pas cette dame, c'est toi qui partiras. Mais je suis en train de l'invoquer. Elle est là. C'est la voix. Pendant qu'elle cherche à transporter, c'est le lion de la tribu. Alléluia. Amen. Amen. Toi tu es calme ici. Mais il y a quelqu'un qui te protège jour et nuit. La Bible dit l'ange de l'Éternel autour de ceux qui étaient. Si tu n'as pas prié pendant la nuit, mais un ange, l'Éternel garde. Amen. Amen. Le monsieur est en train de pleurer. Dans 48 heures. Non, c'est moi qui va partir. Ah, toi. Et mais moi pour m'avoir. D'abord, il faut avoir Jésus-Christ. Il y a besoin de Jésus Christ. Ah. Amen. Tu veux être le Christ. Gloire au Seigneur. Tu n'as pas un voisin à eux. Yes, on a pété. Yes, on a pété. Donc, ça dit ce qu'on suit au Sarini. Or, il y a meilleur moyen pour soyer. Exact. Donc, il y a le bas, ce qu'on rejoint, soutenir, il n'a pas rejoint. On rejoint, merci. Tu mets Jésus-Christ. Bravo, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, Balingami. Il y avait des chemins. Exactement. Soit tu prends les chemins raccourcis pour arriver en Canaan. Mais regarde ce que tu vas rencontrer devant toi. C'est le combat. Tu risques de retourner en arrière. Tout simplement parce que tu as eu peur du combat. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oui, non, pas ton mot qui va l'obéir au Kendeli Bosseza. Ils ont recommandé. Ah, recommandé. Amen. C'est le qui était pas les gens qui ont recommandé. Mais les locaux, quand la cause on a coûté bien, babamba nana n'a pas sacré. Moukongo n'a c'est. Moussou n'a moni internet à chez le papa à salir le papa, salir le papa y a barre de fer. Pourquoi faire sauter? Oui, barre de 6. Donc, pour que on ait au fatigué. Mais conséquences n'ont pas causé aucun mon bimba. Alléluia. Amen. Imaginez les papas n'ayant d'abord ouais ces alli tol ou bah ajuster bah souvent. Tol noir. Bah singandé ça bah barre de fer. Yo tambo la moti delvo. Nakani sokozonga mukou ya musapezo monan. Alléluia. Amen. Tu veux tirer ce Christ va vous marquer. Bravo Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, nous devons connaître les règles de Dieu. Dieu est très facile. Amen. Amen. Mais lui, il emprunte toujours les chemins détournés. Lui-même sait pourquoi il emprunte ces chemins détournés. Alléluia. Amen. Israël. Israël emprunte les chemins détournés. Mais les chemins raccourcis étaient là. Alléluia. Amen. Il faut faire attention, bien aimé, dans la vie. Et c'est ça la il faut suivre les guides. Et si Kolanda, parce que la Bible dit ceci. Pendant le jour, c'était la colonne non. De nuit. Parce que Israël ne connaissait pas les chemins empruntés. Toi, tu ne connais pas les chemins empruntés. Toi, tu ne connais pas le mariage où tu dois entrer. Toi, tu ne connais pas le travail que tu vas. Que tu auras demain. Il faut avoir un guide. C'est Dieu qui va te guider. Il faut avoir un guide. Parce que tu ne connais pas les chemins. Tu risques de t'embourber. Tu risques d'emprunter les chemins de la mort. Alléluia. Amen. Dieu a dit il faut emprunter les chemins du désert. Vous savez, le désert aussi a beaucoup de mystères. Dans le désert, il n'y a pas la vie. Qui a déjà visité le désert? Que Dieu vous bénisse. Papa, dans le désert, au monde qui banzete dans le désert, il n'y a pas la vie. Dans le désert, il y a la tempête. Tempête. C'est ce que vous pouvez connaître dans la vie.
Alléluia. Amen. C'est ça le chemin détourné. Peut-être vous avez des tempêtes dans la vie. Mais Dieu vous amène quelque part. Il vous amène à traverser l'année de l'année. Même si vous avez connu des tempêtes l'année passée. Mais sachez tout simplement que c'est le chemin détourné. Même si vous avez rencontré des tempêtes. Dans des années antérieures, sachez tout simplement que c'est le chemin détourné. Là où il y a beaucoup de tempêtes, parfois vous posez des questions. Mais ici, il n'y a pas la vie. On ne sent même pas la vie. Il n'y a pas l'oxygène. Mon père, mets pas ton problème. Soumets-toi à Dieu. Suis seulement les guides. Si tu es derrière les guides, ne sois pas te décevoir. Est-ce que tu peux acclamer ce fort? Problème n'a eu où mêler Petro. Alléluia. Amen. Vous savez, l'attitude des enfants de Dieu aujourd'hui. Oui, le lega est banan zambé. Évangéliste Philippe. Oui, ma attitude d'abord en zambé. Bah, et banate. Les lois que vous cancez là, raccourci. Kotoyo, problème n'a eu. Asa est pas en ganga. Lobby Kotoyo, une église. Beaucoup moins n'a pété en voyant l'église. A outé pas en ganga. Zo, ce qu'on appelle ma kit, oui, bah, t'es qu'à outé panga. Vous voyez beaucoup tout est chaotique comme ça, la cérémonie ancestrale. Tant que vous avez un peu Azali koya, aouti kolambe la même ibikeko. Alléluia. Quelle est la voie que tu as empruntée? C'est la voie. Il y a raccourci ou bien la voie de tout. La voie de Dieu. Elle est dure à croquer. Elle a la capacité de il faut la supporter. Parce que cette voix ne te décevra jamais. Elle ne peut jamais te décevoir. L'objectif de notre Dieu, c'est de t'amener à traverser l'année 2018. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut emprunter cette voix. Elle est dure. Les alipas. Enfin, on se pose beaucoup de questions. Et nous servons ces dieux-là. Tout ça, la ça traîne. Ça a pris beaucoup de temps. Cela dépend de ton attitude. Tu t'attends trop. Tu n'es ni chaud ni froid. Alléluia. Amen. On ne connaît même pas ta couleur. Alléluia. Il y a même des gens qui connaissent très bien leurs promesses. Avec exactitude. Aujourd'hui, ils amènent des pseudo-prophètes dans leur maison. Vous savez, je vais vous dire ceci. Alléluia. Amen. Sur 100 prophètes. Nao parle le Congo. Amen. C'est une vérité que c'est que je vous dis aujourd'hui. Sur 100 prophètes au Congo, vous avez 90 féticheurs convertis en prophètes. Les 10 qui restent, vous avez 2 véritables prophètes. 8 Batikali, des escrocs, des malfaiteurs, des voleurs, alléluia, et des charlatans. Maintenant, si vous avez un prophète, pour la question que la plupart des prophètes sont des féticheurs. Service. Amen. Amen. Service, service. Il y a service pour toi, Zoak. Mungwa. Yakana makasu. Yakana mai. Pourquoi toutes ces choses? La Bible dit, vous imposerez le mot malade. Et les malades seront guéris. Il n'y a pas de cérémonie à faire. Quelqu'un est-il malade? Prenez seulement l'huile d'olive. Priez pour lui. Et puis c'est fini. Awa balobi mungwa te balobi makaya bute balobi makasute. Ndoki. Oh, somba moulangasio eza makila na Yesu. $50. Makila ngwa Yesu batye na moulangio ne wuti wapi? E wuti wapi? Bazozo ba mama ba fetichere ya sianani. Ya selemba wawa. Ba ye ba sali ba seremoni na maya bi obenit. Ben obenit wapi? Ma yuana msusu batu ba mela batu ba msusu ba sukulo ngoza ma yuta na morgue ya mama yemu. Tika ba pseudo prophète. Notre Dieu. Zambé Nabiso. C'est un Dieu Azalin Zambé éternel.
le temps dépend de lui. Même si cela va prendre beaucoup de temps, accepte qui t'amène sur les chemins. C'est pourquoi cela ne dépend ni de ton pasteur, moins encore de ta famille. Cela dépend de Dieu lui-même, parce que même ton pasteur est incapable de sortir les voies de Dieu. Je ne peux même pas sonder les paroles. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, nous allons voir quelque chose rapidement. Nous dans notre traversée. Alléluia. Amen. Prenons deux rois rapidement. Le lecteur, il va nous lire. Chapitre 7, verset 3 à 5. Nous sommes dans le livre des deux rois. Chapitre 7, verset 3 à 5. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux. Ils allaient qui n'a écouté Babel Imbalaminei. Qui se dire l'un et l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc auprès d'Iskil pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne vers eux. Acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Tu peux le manifester. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide à traverser l'année 2018. Que Dieu t'aide à traverser toutes les zones de turbulence. Que Dieu t'aide à traverser les obstacles. Quels que soient les obstacles, cette année, par le chemin détourné de Dieu, tu vas les traverser. Que Dieu te bénisse. Bien aimé, c'est quoi la petite histoire? La Bible dit qu'à Samarie, il y avait de la famine. Il y avait de la famine. Alléluia. Amen. Les gens vivaient dans la pauvreté. Un jour, le roi était en train de passer. Il était en train de passer parce qu'il y avait de la famine. Pour acheter même un petit pain, il fallait beaucoup d'argent. C'est un exemple que je suis en train de donner. Le pain coûte combien? Le pain. Le pain au Babenga Kanga Moïbi. Eh, Kanga. Quand la journée, on a isala combien? 200 francs congolais. Amen. Amen. Vous vous réveillez un bon matin. Le pain Lipa. Qui coûtait hier 200 francs. Vous posez la question à la vendeuse. Elle vous dit que non, mais là le pain revient à 10 000 francs. Le pain revient à 20 000 francs. Il y avait de la famine. L'argent ne circulait plus. Un jour, le roi était en train de passer sous la muraille. Il a vu une femme qui était en train de crier. La femme pleurait. Seigneur, sauve-moi. Parce que pourquoi la femme pleurait? La femme savait que celui-là c'était le roi. Il avait des moyens pour me sauver. Elle dit, Seigneur, sauve-moi. Le roi lui pose la question. Qu'est-ce que moi j'ai pour te sauver? Si le Seigneur ne te sauve pas, moi je ne peux rien faire pour toi. Donc le roi voulait dire tout simplement que moi aussi, la famine m'a visité. Moi aussi je manque le minimum. Je n'ai pas grand chose. Pour te venir en aide. La femme est en train de pleurer. Le roi lui pose la question. Qu'est-ce que tu as comme problème? Il dit, Seigneur, j'ai une amie qui a aussi un enfant. Moi aussi j'avais un enfant. On a conclu une alliance. Puisque la famine gagne du terrain, on s'est dit ceci: on tue mon fils aujourd'hui, on le mange, comme ça demain nous allons manger aussi ton enfant. Tout le voisin nous solia mout. Cannibale. Pose la question à ton voisin: tu as déjà mangé quelqu'un? Oya loja. Au lieu de penser à Moutou, au lieu de Moutou, à ta soeur, à Zandokia, on dit matin.
Amen. Amen. Bien aimé. Balingami. La Bible dit. Bible lobby. La femme. Moi aussi. Qui pose les problèmes au roi. Le roi dit ce n'est pas vrai. Vous avez mangé. Ton enfant. Moi. Tu as mangé ton enfant avec ton ami. Il a déchiré ses habits. Le roi était furieux. Il a dit mais il y a un prophète dans ce pays. Moi je vais les tuer. Or le prophète n'était pour rien. C'était le prophète Élisée. Alléluia. Il n'était pour rien. Il était chez lui à la maison. Avec les anciens du pays. Ils étaient autour du prophète. En train de parler. Le roi envoyait un espion. Et derrière l'espion, c'était le roi lui-même qui est venu. Il est venu poser le problème. Mais j'ai aimé la réponse du prophète. Le prophète Élisée dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura un si de fleurs de farine. Pour un cycle et deux CA d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. On attend cette fois pour le roi des rois. Bien aimé, vous savez, hein, la valeur d'une monnaie dépend de la production. Est-ce que j'ai des économistes ici? La stabilité d'une monnaie dépend de la production. Mais en Samarie, il n'y avait pas la production. Voilà pourquoi la monnaie n'était pas stable. Il n'y avait pas le pouvoir d'achat. Mais le prophète a dit ceci. Demain, à 7 heures, les gens vont acheter le pain même à un franc. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, c'était une déclaration de guerre. Parce que je ne sais même pas le prophète parler de la part de qui. Mais je connais une chose. Dieu, toujours derrière les paroles de ses serviteurs pour voir les accomplir. Le prophète a dit Dieu était derrière. Dieu a utilisé 4 personnes. La Bible dit que c'était des lépreux. Vous savez, les lépreux en Israël. La lèpre, c'est une maladie. C'est une maladie contagieuse. Lorsque quelqu'un attrape la lèpre, elle est chassée de la communauté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Elle est chassée de la communauté. Parce que cette maladie, elle est contagieuse. La maladie risque de contaminer toute la communauté. Il y avait 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte de Samarie, qui étaient négligés. Abandonné, mais de l'autre côté, le prophète a prophétisé. Il a dit demain, à 7 heures, vous allez acheter le pain à un Makuta. Le roi était là. Il a dit moi je connais ce prophète. Il n'est pas économiste. Il n'a jamais travaillé. Il n'a aucun niveau d'études. Mais comment il peut faire des déclarations? Économiquement parlant. Cela est impossible. Le roi est en train d'observer le prophète. Un monsieur qui est à côté du prophète. Il a dit mais non. Même si le Seigneur ouvrait les fenêtres du
peut pas arriver demain le pays qui ne produit rien, le pays qui n'a rien, comment est-ce que ce pays va vendre un pain? Ce qui est impossible alors est possible à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, cela était impossible aux hommes. Même au professeur d'université, même au savant, cela est impossible parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas la production. Acheter un pain à un Makuta, c'était pratiquement impossible. Mais le prophète a parlé. Lorsque l'homme de Dieu a parlé, cela ne dépend plus de l'homme de Dieu. Parce qu'il a parlé de la part de Dieu. Cela dépend de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ça pour le roi de roi? Amen. Amen. La Bible dit qu'il y avait quatre lépreux. Il était chassé de la communauté. Un qui dit à ses amis, mes chers amis, nous sommes quatre. Quatre, c'est le chiffre des quatre êtres vivants. Alléluia. La ligne, on va d'abord suivre les quatre êtres vivants. Tu vas comprendre cet enseignement. Est-ce que nous sommes ensemble? Les quatre êtres, les quatre lépreux, j'y étais à l'entrée, rejeté par la communauté. Un qui dit à ses amis, dit mes chers amis, nous allons mourir. D'abord, nous sommes rejetés par la communauté. Deux, nous sommes malades. Nous allons mourir. Dans notre pays, il y a la pauvreté. On ne sait même pas quoi trouver, quoi manger. Ce que nous allons faire, c'est de nous lancer dans le cas des Philistins. S'ils vont nous tuer, tant mieux. Mais s'ils vont nous laisser en vie, il n'y a pas de problème. Mais Dieu connaissait quelque chose. Il savait qu'il y avait un défi. Demain à 7h, vous allez acheter le pain Makuta. Pendant que les est en train de se concerter. La Bible dit ceci. Ils se sont lancés, c'était pendant la nuit. Parce que les défis, c'était pendant le jour. Ils se sont lancés dans le camp des Philistins. Lorsqu'ils sont arrivés dans le camp des Philistins, les Philistins, ils se sont rendus compte que il n'y avait personne. Mais dans le camp, il y avait à manger en abondance. On acclame tes fois pour le roi de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a opéré comme miracle? Le messie qui était rejeté par la communauté, Dieu a converti la maladie à une armée puissante. Tu sais ta faiblesse, Dieu va la convertir à une armée puissante. Hey! Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, ils étaient faibles du point de vue physique parce qu'ils étaient malades. Mais lorsqu'ils couraient, au lieu de voir la maladie, les Philistins ont entendu une armée puissante qui venait dans le camp et ils sont en fuite. Tombé, tiens le sucre sur ma bonne marque. Amen. Amen. Tout la voisin, n'a eu. Oui, faiblesse, n'a eu. Nous avons une force. Amen. Ya communauté mobimba. Amen. 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 Faiblesse na yo. Tant nous avons force. Ya ngonde muteko contaminé ba tumusus. Amen. Pendant que les autres dormaient, les gens qui étaient dans la communauté, mais le messieurs qui étaient rejetés par la communauté, Dieu a conclu quelque chose avec eux. Vous savez, Dieu ne travaille jamais avec les forts. Dieu travaille toujours avec les faibles. Toi qui te sens abandonné, marginalisé, humilié par la société, c'est toi que Dieu a choisi ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est toi que Dieu a choisi ce matin. Bien aimé, ne regarde pas la manière dont on t'a abandonné par toute la communauté, mais regarde ce que Dieu va faire pour toi, ce que Dieu va faire avec toi. Ces gens-là pensaient mourir, mais la mort a produit la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La mort a produit la vie. Nous connaissons quelqu'un à la croix qui était mort. Au lieu de mourir,
mais sa mort a produit la vie et une vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des âges, le Jésus qui mérite des acclamations sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, vous savez, le prophète a dit ceci. Il a dit, toi, qui es-tu pour défier Dieu? Moi, j'ai déjà parlé. Parce que lorsque le prophète disait, ce n'était pas de la part de Dieu. Il a dit que moi, je suis un ouvrier de Dieu. Lorsque je vais parler, quitte à Dieu de les accomplir. D'accomplir tout ce que moi, je vais parler. Il a parlé. Le Messie a boudé. Le prophète lui a dit ceci. Comme tu as douté, tu verras ces choses de tes propres yeux. Non. Tu ne mangeras pas. Alléluia. Amen. Acclamez-toi fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Bien aimé, il faut faire attention avec le doute. Même les juristes disent ceci. Les doutes profitent à l'accusé. Les doutes profitent à l'accusé. Ce monsieur-là a douté. Et puis c'était fini pour lui. Le matin, les mêmes lépreux se sont rendus compte qu'ils étaient en train de manger. Et qui avait faim. Et qui avait faim. Qui avait une maladie contagieuse. Ou bien de contaminer la communauté. Avec cette maladie de la mort. La mort qui a produit la vie. Les lépreux ont contaminé la vie à tout Israël qui vivait dans l'angoisse, qui vivait dans la famine. Ils sont allés voir le roi. Ils disent, roi, nous sommes dans le camp des Philistins. Ils ont fui, ils ont tout laissé. Lorsque le roi est arrivé, on a pris des histoires. Demain, que le prophète avait prophétisé, à cette heure-là, on a commencé à vendre un pain à un franc congolais. On acclame tes fois pour le roi de roi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut que tu reçoives aujourd'hui la prophétie. Le problème, c'est pas moi. Moi, je vais parler. Quitte à Dieu de les accomplir. Amen. Quitte à Dieu. C'est Dieu lui-même qui va accomplir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Quelqu'un qui était inutile, Dieu l'a valorisé. Vous savez, même toi qui es inutile ce matin, Dieu va te valoriser. Le problème avec Dieu, je vais t'expliquer quelque chose, bien aimé. La Bible dit ceci dans Genèse 1, 27. Généralement, les gens disent que s'il faut demander à Dieu, c'est seulement les bénédictions spirituelles. Moi, je voudrais que ça, c'est juste une petite partie de la promesse de Dieu. Mais rentrons en arrière. Nous sommes au jardin d'Éden. La Bible dit, c'était quoi la première bénédiction? Dis bonjour d'abord à ton voisin. Secoue ton voisin. Ça y est. Bientôt là, nous allons traverser. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On ingisi voisin là. Amen. Ala la terre, sinon au lokayo. Yo ko ebate kuna zo amvute. Ah ba zo kabola bo. Yo tellement zo à l'aise yo kai kuna. Abalate. Abalate. Koto abotate. Koto na sima. Akufa. Akufa. Oya liboso, abela mu Congo. Yo kali ka. Congo. Alléluia. Faites attention avec batu bala la kapongi. Amen. Amen. Si tu ba papa. On a monika papa là, le besoin à bateau bazaka misu makasi loko la impérial ba papa. Si on a monika papa là, il n'a comprendre qu'à mela qui whisky lobi. Toi qui m'a kinda quoi là qui peut nanda côté. Nicolas ba pasteur bazo mela whisky makasi bazo lo babio te mungongo. Alléluia. Amen. Nga pena mela moi whisky. Mungongo. E fongola kamisu. Tu betele sikiso. Bala biyo ke sokola kamisu. Nengene ni anga bosa na zua boy. Neni bosa na zua boy angai. Balobi oza jamiso ga. Bangolo ko bazami so mai mai yango ba melaka whisky. Ya jazami so ga. Bazo me oka mutozo mela whisky tsiki jibi wana jibi mubimba bi mungongo. Bien aimé ata mungongo.
whisky moulang, amelina tonga, amelina pomme, même un jour qu'il te zate mungongo. Mungongo. Ozano ivrogne. Milangwa. Que Dieu bénisse sa parole. Zamba pambola iloba. Bien aimé, nous allons voir la première bénédiction. Il faut faire attention. Dans Genèse 1:27. La première bénédiction, c'était le mariage. Lipambola libo sozala kilibala. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Bible, la Bible. Adam était dans le jardin d'Éden. Adam, mais il n'était pas joyeux. Bien qu'il avait tout. Mais la Bible dit qu'il n'était pas béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, avoir la richesse. Hein? Ce n'est pas synonyme à être béni. Tu peux avoir beaucoup de millions de dollars. Mais tu n'as jamais été béni. Adam avait tout. Parce que la Bible dit ceci. Il était tellement triste. Hein? A regardé Adam. Il a dit que ce monsieur est en train d'intercéder quelque chose dans son cœur. Il était en train d'intercéder quoi? Il intercédait la femme. C'est à cause de sa prière que Dieu a créé la femme. Voilà pourquoi lorsqu'ils se sont mariés, la Bible dit que c'était ça la première bénédiction. C'était le mariage. Dieu les bénit. Donc, Dieu n'avait pas encore béni Adam. Bien qu'il avait le pouvoir sur tout. Le pouvoir sur les animaux. Sur les champs. Sur les oiseaux du ciel. Mais il n'était pas béni. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc la première bénédiction ici, c'est le mariage. C'est ce que tu dois retenir. Alléluia. Amen. Même tel que tu es là. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne te trompe pas. Si tu pries pour le mariage, tu es dans tes droits. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça la première institution que Dieu a instaurée. Le mariage. Amen. Amen. La deuxième bénédiction. Il dit ceci. Dieu les bénit parce qu'ils sont maintenant ensemble. Amen. Et Dieu dit ceci. La deuxième bénédiction. Soyez féconds. La deuxième demande, c'est la fécondité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il ne faut pas que vous ayez un esprit. Dans la mariage est zate. Amen. Bazate. Ce sont des promesses que Dieu nous a faites. Nous devons prier pour ça. Soyez féconds. La fécondité. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Ça, c'était la bénédiction de Dieu. Troisième, c'est la domination. Kokonza. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux acclamer ta foi pour le roi de roi. Dieu Zambé ne te demande pas de dominer sur ton frère ou sur ta soeur. Dieu demande de dominer sur les oiseaux du ciel, les animaux. Banyama. Alléluia. Amen. Sur toutes choses. Est-ce que nous dominons sur les maisons? Les enfants de Dieu. Pour avoir des maisons. Pour avoir la richesse. Pour avoir des véhicules. Est-ce que nous dominons sur eux? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, nous devons dominer sur toi. Nous devons dominer sur toi. Nous devons dominer sur toi. Facilement. Nous devons quitter sa vie, traduire à Bambi, à ta papier mouchoir, à quoi Bambi, à ta orange. Alléluia. Amen. Donc, nous devons dominer sur toutes ces choses. Si tu comprends très bien, acclame, ça fait pour le roi de toi. Durant notre séminaire, je vais le développer. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons voir la traversée maintenant rapidement parce que je n'ai plus assez de temps, 10 minutes. Mais reste 10 minutes. Alléluia. Amen. Nous allons voir maintenant le mystère de la traversée. Donc, prenons Exode 14. Donc, Exode 14. Nous sommes à la traversée. Makamoni nezana 14 oyo nzambe na ngai. Ba chantre lelo ba déranger makasi. Vous parlez trop là-bas. Si on assiste, on va poser une question on a prêché dimanche passé. Alléluia. Amen. Exode 14. Le lecteur va nous lire. Papa Zuela Bisso, dans Exode 15. Exode 14, 15. Rapidement. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 14, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent.
Toi, lève ta verge et tends la main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'il y entre après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Il souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec. 22. Et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à la droite et à la gauche. On n'accepte pas pour la parole de Dieu.